Pendant tout cet arc narratif européen, les candidats se sont engueulés, chicanés, donnés des coups de pied et autres clés de bras. Bah non, je suis désolée, Madame Maréchal, elle a beaucoup parlé au début de l'émission, ça n'a pas été pris en compte. De la gestion de la pandémie, là, franchement. Pardonnez-moi, c'est si difficile que ça de laisser parler une femme, Monsieur Bardella. Est-ce que vous pouvez souffrir de me laisser parler? Non, non, croyez-moi, j'en parlais déjà quand j'étais députée, au moment où on ne savait pas que vous existiez, excusez-moi. Laissez-moi raison, la question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale? Mais le cœur d'un bon storytelling, vous le savez, c'est de parler à son public et de le faire vibrer. Pour ça, certains héros du MCU européen sont surprenants de créativité. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Notamment un Jean-Kevin que je te réserve pour la fin et qui m'a réellement impressionné. Comment faire vibrer votre public et conquérir les cœurs, que ce soit en politique ou partout ailleurs? Comme d'habitude, analysons les techniques et ruses de Sioux de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Si vous êtes abonné à mes articles, on en a parlé cette semaine, pour captiver et persuader un public, il faut utiliser les émotions. Et ça, les politiques en ont parfaitement conscience. Notamment notre ami Bardellus Maximus du RM qui maîtrise ses propres techniques à la perfection. Française, Français, dimanche je vous appelle à aller voter. Allez voter pour infliger à Emmanuel Macron une défaite électorale sans précédent. Ne lui laissez pas les pleins pouvoirs. Française, Français, je dissous ce soir l'Assemblée nationale. Oh non, pas ça ! Aspect propre, comme il nous a accoutumé, petite balade dans nos campagnes près des vignobles bien français comme on aime. Je marche droit vers vous, je marche droit vers la victoire, notre victoire, je suis fier et confiant. J'antagonise en faisant une évocation du grand méchant du MCU, j'ai nommé Macron. Et surtout les amis, observez bien, c'est un storytelling en duo dont on a déjà parlé. Un storytelling en duo qui vous permettra de vous relayer à l'histoire l'un l'autre et de créer des effets de scène inédits. Je veux en particulier m'adresser à tous ceux qui m'ont fait confiance lors de l'élection présidentielle, à tous ceux qui ont permis l'élection de 89 députés RN à l'Assemblée nationale en 2022. Juste après, faites un appel à l'unisson, un appel à la fidélité qui exploitera la validation sociale. J'ai toujours pu compter sur vous et sur votre fidélité. Alors dimanche, faites votre devoir de patriote. Et enfin, un appel au devoir, vous êtes avec nous, donc vous devez aller voter, donc vous nous offrirez la victoire. Je vous demande d'aller voter pour Jordan Bardella, offrez à la France la plus belle des victoires, vous n'aurez qu'un seul tour, si le peuple vote, le peuple gagne. Mais ça n'est rien encore en termes de mise en scène. Jean-Kevin, n'oublie pas, je te réserve le meilleur pour la fin. Un souffle épique règne dans cette campagne et un autre adversaire approche, Raphaël Glucksmann, dont le parti souhaite réveiller l'Europe. Ces élections européennes sont les plus importantes de l'histoire. Ouais bon, par contre, poster une vidéo en 480p en 2024, ça Raph, s'il te plaît, tu fais plus. Dans sa cinématique de MCU, Glucksmann nous propose un scénario catastrophe. La guerre en Ukraine ébranle notre continent. Donald Trump peut redevenir président des États-Unis. Le Proche-Orient s'embrase, la catastrophe climatique s'accélère. La fin est proche, l'apocalypse est à nos portes si jamais vous votez contre mes ennemis. Il va donc puiser dans les tripes des Français, leur cerveau reptilien en présentant un danger imminent. Ensuite, en passant petit billet d'association RN et petit moustachu, on adore. Une vague d'extrême droite s'abat sur nos démocraties. Tout pourrait nous conduire. Et maintenant qu'il vous a bien désespéré, il peut enfin vous délivrer son message d'espoir et se présenter comme un homme providentiel. Tout pourrait nous conduire au renoncement. Et tout doit au contraire nous pousser au sursaut. Ce que je vous propose, c'est de sonner la fin du déclin européen. C'est de rendre l'Europe puissante et souveraine. Juste avant de vous donner ce sentiment d'être unique en utilisant la technique du miroir magique, cela permettra à vos votants de se sentir extraordinaires, exceptionnels, plus intelligents, plus malins que les autres, plus malins que les votants de vos opposants. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent. Car ça tombe bien, ce qui caractérise l'être humain et ce qu'il y a de plus ordinaire, c'est de se sentir extraordinaire. Ce 9 juin 2024, votre vote fera la différence. Vous, les humanistes, les féministes, les citoyennes et les citoyens épris de justice et de solidarité, votre moment est venu. Notre moment est venu. Et pour finir, un petit effet bandwagon, c'est-à-dire vous allez mobiliser les troupes et leur dire qu'ensemble, vous allez vaincre l'étoile noire. Et ce 9 juin, nous pouvons la transformer en force irrésistible. Ce 9 juin, nous pouvons, nous allons, ensemble, réveiller la France et réveiller l'Europe.
Bref, bravo Glucksmann, un récit qui utilise parfaitement le pathos et nous incite à agir. Mais est-ce bien suffisant? Car maintenant, voyons ce qu'a prévu la LFI et sa tête de liste Manon Aubry pour rassembler son armée. C'est quoi ça? Alors attendez, il y a dû y avoir un problème sur mes notes là, je... Bah non, en fait, c'est la stratégie de la LFI qui a décidé d'utiliser une botte secrète en émotion, la musique. Après tout, la musique adoucit les mœurs. Abattez la citadelle! Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Abattez la citadelle! En revanche, la musique doit correspondre à l'état d'esprit, la mentalité de votre votant. Elle doit plaire à votre prospect. Donc là, je vois pas du tout à qui ce genre de musique pourrait être adressé. Hein. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Et pendant que la musique joue, vous devez présenter vos dévots souriants, heureux, chantant, dansant. Bref, ils sont rassemblés avec vos députés en train de faire des trucs trop cool. Cette musique doit représenter non pas une rave party dont le DJ serait... Non! Mes chers camarades, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, vous connaissez le chemin en fait. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Mais elle doit représenter vos valeurs avec des concepts clés, des paroles simples pour qu'un jour vous puissiez abattre la citadelle. Et là les amis, on va rentrer dans le dur, car je pensais que jusque-là tous les candidats avaient abattu leurs meilleures cartes, mais c'est sans compter ce que nous avait préparé le parti écologie. Et là on est clairement dans un film épique façon médiéval fantastique avec Sauron qui menace Minas Tirith. Quel est ce scénario que nous propose Marie Toussaint? L'avenir de l'Europe est en jeu. L'extrême droite progresse comme une fièvre sur tout le continent. Elle menace les droits humains et le pacte vert. Attends Marie, j'ai déjà vu ça quelque part. Mon fils, d'implacables ténèbres reviennent dévaster notre monde. Elles cherchent, une fois encore, à annihiler ce que nous avons de plus cher. Oui, alors vous pouvez vous aider de l'existant, bien sûr, mais vous devez vous assurer que l'existant symbolise et représente bien vos idées. Pensez tout d'abord à travailler sur l'émotion coordonnée. Ainsi, quand vous voulez démonter un ennemi, illustrez-le par des images pas ouf, qui donnent pas envie. L'arrivée des méga-camions sur nos routes, ou encore la prolongation pour 10 ans du glyphosate. Les écologistes sont les seuls à tenir bon face à ces renoncements. Et quand vous proposez vos idées, illustrez-les par des images claires, belles, sexy. Nous proposons de reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz pour sortir enfin des énergies fossiles et investir massivement dans les énergies renouvelables. Pensez à cloisonner vos idées, l'indignation avant, l'espérance après. Ne mélangez jamais la soupe, sinon elle aura mauvais goût. Mais là les amis, on va creuser encore plus profondément dans ce MCU de gentils et de méchants. Et il y en a un qui m'a vraiment surpris, c'est le clip de François-Xavier Bellamy. It is always a great pleasure to work together with François-Xavier. He's so experienced, knowledgeable, and always fighting for what he is convinced about. Okay. Car là on n'est pas dans les chiffres, les stats, on n'est pas non plus vraiment dans le pathos ni l'épique, non. On est dans le concret. Et ce concret, c'est quoi? C'est la preuve sociale sur laquelle il a tout misé. C'est un ami français qui porte haut les intérêts de la France et qui défend ses intérêts d'une façon spectaculaire ici au sein du Parlement européen. Donc... chouette gars. Une preuve sociale qui s'exprime de tous bords, de tous les horizons, de toutes les classes, dans toutes les langues, ce qui rend votre validation par vos pairs universelle. Faites comme Bellamy, universalisez votre validation. I've been very fortunate to know François Xavier as a very kind colleague, but also a very knowledgeable colleague. Un ejemplo de trabajar con François Xavier es cuando juntos trabajamos para que saliera adelante la enmienda. Bon, en revanche, là, t'en as un petit peu trop abusé, Xavier, si je puis me permettre, tu n'utilises que ça, aucun autre levier n'est présent. Boring. Si vous décidez de puiser dans cette technique, mettez un petit extrait seulement à la fin du clip, de préférence juste avant l'appel à l'action. Le but, c'est juste de lever les dernières barrières de vos votants, donc inutile d'insister ou d'en abuser. Il est un député très compétent, un député qui défend l'Union Européenne et qui défend la France. A hard worker, a value-based parlementarian. Xavier is an example of such, he's an inspiration for many, and I very much hope we'll see him again, championing the French. Encore. Ça fait beaucoup là, non?
Mais là, les amis, l'heure est grave. Le sol tremble. Je me sens tout drôle. Le sol est en train de se dérober sous mes pieds, mais que se passe-t-il ? Tremblez d'effroi, car il est là ! Non pas la sorcière Caraba, mais le parti le plus controversé de cet arc narratif européenne. Allez-vous voter dimanche ? Avez-vous déjà fait votre choix ? Êtes-vous en train d'hésiter ? J'ai nommé Reconquête et le Z fait directement un appel à la nostalgie. Il nous évoque le bon vieux temps. Avec lui. Vous qui me regardez depuis mes premières apparitions télévisuelles, vous qui me lisez depuis la sortie de mes premiers livres, vous qui m'écoutez depuis mes premières chroniques à la radio. Depuis le début des aventures, on a suivi le héros, on a toujours été là à ses côtés quand il était dans son village Cocorico. On l'a vu tomber, se relever, on a grandi avec lui, et bien maintenant, il a besoin de nous. Vous qui m'avez suivi dans cette merveilleuse aventure politique commencée en 2021, je dois vous dire une chose. J'ai besoin de vous. Et là, le Z nous immerge dans un narratif décisif. Dès le 9 juin se joue l'avenir de l'Europe, de l'univers. Alors choisissez bien, soit ce sont les lendemains qui chantent, soit c'est le jugement dernier. Oui, cette élection européenne va conditionner l'avenir de la France, la vie des Français, votre vie. Beaucoup de choses vont changer, pour le meilleur ou pour le pire. Et là, comparé à notre ami Marie de l'écologie, Zemmour utilise des concepts clairs et simples, des valeurs précises mais chères à tout le monde et qui parlent universellement. Vous voulez défendre votre liberté ? Votre bulletin de vote est celui de Reconquête. Aucun autre bulletin ne vous permet de prendre position aussi clairement pour le rétablissement de nos frontières, de notre souveraineté, de notre sécurité et de notre prospérité. Liberté, sécurité, prospérité, ce sont des termes abstraits mais simples, et chacun fera sa petite tambouille dans sa tête. Utilisez également la puissance de la proximité. On se connaît, vous et moi, on a été là pour vous depuis toujours, alors faites-nous confiance. Vous me connaissez. Vous connaissez Marion Maréchal, vous connaissez notre équipe. Nous sommes les plus déterminés à rendre à la France la puissance d'une belle et grande nation. Une nation paisible, solide et optimiste. Comme le Z, vous pouvez aussi invoquer un ennemi mystérieux, ce que j'appelle l'ennemi iceberg, pour antagoniser l'opposition et vous héroïser. Vous savez où sont les vrais dangers, vous savez qui sont vos ennemis. Nous les combattrons en votre nom. Chaque fois que Reconquête prendra la parole à Bruxelles, ce seront vos peurs, vos espoirs, vos exigences qui éclateront au grand jour. En vrai, dans ce cas-là, je pense que c'était juste pour pas se faire cancel. Mais pourtant, les amis, ça n'était pas pour le Z que les partisans de Reconquête ont voté dimanche. Non, c'est pour cette demoiselle. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ? Et là, Jean-Kévin, je t'ai prévenu, en termes de storytelling, on est dans le haut du panier. Car c'est certainement le clip du MCU européenne qui m'a le plus impressionné. Car Marion Maréchal, pour capter directement notre attention, utilise une rupture de pattern. L'Europe, ça n'est pas ce que vous croyez. L'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Ce n'est pas l'organisation bureaucratique de Bruxelles. Ce n'est pas davantage un espace mondialisé livré aux quatre vents. Non, l'Europe, c'est une civilisation. C'est notre civilisation européenne et chrétienne. D'entrée, elle frustre, elle déçoit nos attentes du sens commun pour ensuite nous faire basculer vers un tout autre narratif. Et dans ce nouveau paradigme imposé, elle va utiliser ce que l'on appelle le symbole de grandeur. Et le cœur de cette civilisation, il se trouve ici, à Rome. Wow. Hey, that's pretty good. Rome qui a hérité de la philosophie et de l'esthétique grecque, avec l'homme comme mesure de toute chose, fondement de l'humanisme européen. Le Colisée de Rome, ce monument, on va l'assimiler à un symbole grandiose, la grandeur perdue d'une nation, d'une culture, d'un continent. Par notre culture française européenne, elle va utiliser un lien émotionnel et l'exploiter pour invoquer une galaxie de valeurs enfouies en nous que l'on voudrait enfin voir libérée. Rome qui a construit sa force sur l'homme et le paysan libre, si menacé aujourd'hui. Rome qui nous a apporté le forum, le libre débat, fondement de nos libertés, ces libertés européennes qui sont plus que jamais attaquées aujourd'hui. Par ces images et cette épopée, par ces vestiges du passé, elle nous met en réalité face au réel. Face à ces monuments qui ont su persister dans le temps. Nous disant par là, vous aussi vous voulez que la France perdure, vous voulez perdurer, soyez comme ces monuments. Et c'est là que c'est très malin de sa part, car ça n'est pas elle qui nous fait la leçon, ça n'est pas elle qui nous fait la morale, non, ce sont ces monuments qui nous apportent leur enseignement. Rome, qui nous a apporté le droit et la Respublica, c'est-à-dire le droit au service du bien commun et non au service de valeurs abstraites et désincarnées. Rome est un résumé de l'Europe,
avec ses temples, ses basiliques, ses églises, ses fontaines, ses palais, renaissance et baroque. C'est Rome elle-même, par sa grandeur, qui nous donne une leçon d'humilité, une leçon sur l'Europe. Rome nous donne une dernière leçon. Rappelons-nous la formule, à Rome, fais comme les Romains. Elle doit s'appliquer aux étrangers sur notre sol. En Europe, faites comme les Européens. Ou bien repartez. Et ça, pour le parti de Marion, en termes de storytelling et de narratif et de persuasion, c'est franchement bien joué. Et quel que fût, vous, votre choix ce dimanche, dites-moi quel candidat vous aura convaincu et fait vibrer. Pas forcément, bien sûr, parce que vous avez voté pour lui, mais parce qu'il a réussi par son narratif à vous communiquer en tant que conteur dans son storytelling. Évidemment, désolé pour tous les candidats qui vous intéressaient, mais que je n'ai pas pu analyser. Et si Jean-Kévin, tu as raté l'article sur les émotions, tu peux t'inscrire dès maintenant aux articles pro de storytelling et de persuasion. Tu m'envoies un message et en bon seigneur, je t'enverrai l'article parce que je t'aime bien. Tu recevras en plus tous les prochains articles pour créer, captiver, persuader, mais ça, c'est une autre histoire.